Neuvième épisode donc de ce Let's Play XCOM. On reprend exactement là où on s'en était arrêté avec les promotions des joueurs. Donc 4 blessés quand même, bon, des durées assez courtes. J'espère que ça va pas être trop grave. Alors les bonus. Dégâts 100% contre les robots ennemis. Ou permet un deuxième tir réflexe si l'unité est en mode vigilance et que le premier tir réflexe a touché sa cible. Ouais, je prends ça, je pense, parce que là, les robots ennemis, on n'est pas prêt d'en rencontrer. C'est vrai que pour après, ce serait intéressant. Alors, sauf si les flotteurs sont considérés comme robots, je sais pas du tout. Bon, peu importe. On va prendre réactivité, deuxième tir réflexe. C'est le premier à toucher. Alors ça permet au sniper de faire un tir neutralisant l'arme. Ouais, bof. Et ça. Non, ça m'intéresse pas trop. Je vais prendre le tir incapacitant. Ça désarme les adversaires. Ça peut se révéler intéressant. Bon là, pareil, je prends le bonus défensif. Voilà. Nous vous recontacterons, commandant. Donc là, ouais, j'ai quand même un gros souci. Les terminaux de liaison satellite ont atteint leur capacité maximale. De nouveaux terminaux sont nécessaires. Ok. Ce que je Commandant, voulais voir, c'est on surtout manque de ça. soldats pour remplacer les pertes qu'on a subies. Ce serait le moment d'en recruter davantage à Les partir de la pertes que caserne. j'ai subi aucune perte. J'ai des blessés, certes, mais j'ai subi aucune perte. Bon, j'espère que je vais pas être attaqué dans les 5 jours qui suivent. Alors, l'autopsie de l'allumette, ouais, ça n'apporte rien. Qu'est-ce que je vais faire? Le flotteur, enfin le planeur. Les nouveaux ingénieurs sont arrivés ce matin, commandant. Nous sommes toujours ravis de recevoir de l'aide. Là, j'ai rien à vendre. Commandant, nos satellites sont parés au lancement. On est prêt à les déployer à votre signal. Autopsie du planeur qui me donne la matrice défensive. Donc ça, c'est de l'esquive pour mes vaisseaux. Très intéressant. Voilà, je vais faire la navigation extraterrestre. J'ai toujours considéré la science comme un moyen d'améliorer notre vie quotidienne. Alors là, ça de donne répondre quoi? aux éternelles questions Ça donne de que je vais l'histoire enfin en scientifique. récupérer un. Mais ces extraterrestres, pour eux, la science n'est qu'un moyen d'arriver à leur fin. Et la vie, un outil qu'ils exploitent autant que nécessaire pour atteindre leur but. Ça m'inquiète quoi ça, hein, que cela vraiment. puisse être. Allons-y. Donc là, je récupère un soldat. Je récupère deux soldats. Bon, bah, ça va être bon parce que là, je vais en récupérer deux le lendemain. Ouais, voilà, ça c'est bon. Je vais enfin faire mon terminal. Voilà. Donc là, je vais pouvoir lancer un satellite. Ouf. Alors, je vais le lancer en France ou en Chine. Je pense que la situation de l'Europe est pire, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Satellite lancé. Ok. Du coup, je vais mettre un avion en Europe. Ok, bon. Le prochain satellite dans 6 jours. Je vais tout de suite vendre des trucs pour pouvoir racheter un satellite. Et urgence.
Plus j'en vois, moins je veux en voir. Cette masse difforme de chair et de métal, mue par la technologie extraterrestre, peut-on toujours dire qu'elle est vivante? Alors. Le projet doit continuer, mais je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter à l'idée d'imiter les extraterrestres. Et s'ils étaient comme nous autrefois, suivons-nous la même voie? Si notre avenir ressemble à leur présent, je ne veux pas en faire partie. Donc dans 6 jours, j'aurai un nouveau satellite, il me semble. 6 jours, c'est ça? Ouais, 6 jours. Bon, espérons que ça suffira. Dernière nouvelle sur l'incursion extraterrestre. Ah, première terreur. En Europe, c'est bien. Si je la réussis, ça va me baisser toutes mes paniques dans ce continent, sur ce continent. Si je la réussis, bien sûr. Alors... là, il s'agit de prendre ses meilleurs soldats. Hein. Là, le problème, c'est que... oui, c'est bien ce qui me semblait. C'est ce sapeur-là qui a le medikit. Alors, on va modifier l'équipement, prendre le medikit. Pour ce sapeur-là... non, qu'est-ce que j'ai fait, là? Grenade, voilà. Je le retire. Et je prends mon meilleur sapeur. Qui est quand même sergent. C'est mieux que deuxième classe. Ensuite, le sniper. Major, c'est le meilleur que j'ai. Le commando major, c'est le meilleur que j'ai. Grenadier, major, j'aurais pas mieux. Et commando capitaine, j'aurais pas mieux. Alors ce qu'il y a, c'est que est-ce que je vais prendre ça ou un autre sniper? Est-ce que j'ai de l'argent? J'ai zéro. Je peux vraiment rien vendre, donc je vais partir comme ça. Allez, mission capitale, si je réussis, ça va me baisser la panique sur un continent le plus en danger. La France nous a envoyé une requête urgente. Il me semble que ça baisse la panique, je pense pas dire de bêtises, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut réussir. Centrale, ici Rapace, liaison confirmée. L'équipe Strike est en position près du site d'attaque. Attendons confirmation. Bien reçu, Rapace. Strike One, alpha vert. Les alors l'objectif, en priorité. Faites tout c'est votre avant qu'ils survivent. Je dois dire que les otages, ce sera secondaire. Enfin, les civils. Ce que je veux avant tout, c'est ne pas perdre de soldats. Et pour ce qui est des civils, eh ben, on va faire ce qu'on peut, mais... on va sûrement pas mettre en péril la vie de nos soldats pour sauver les civils. C'est triste, mais c'est comme ça. Ok, on est parti. On a juste pris un peu d'abri. Alors là, on va découvrir une nouvelle forme d'alien, il me semble. Je sais pas comment il s'appelle. Rétablir un lien entre les différentes espèces d'extraterrestres. Voilà, celle-là. Ce spécimen ne ressemble en rien aux autres. Ils ont formé une armée vraiment disparate. Donc c'est bien, il a touché. J'ai raté la cible. Voilà, ça rate, ça rate. Deuxième petit réflexe. Hein. C'est sa capacité. Ça a tiré dans tous les sens et le résultat est plutôt pas mal en fait.
pouvais pas espérer beaucoup mieux. Il y en a un là-bas qui est pas... Ouais, si, vraiment, là, j'ai bien marché. Bon, alors, c'est bien, 84%. Bah, celui... On va tuer celui qui est le plus loin, là-bas. Il a 50. Donc vous voyez tout de suite, j'ai pris avantage avec le bonus réactivité qui m'a permis de faire deux tirs. Je peux rien faire sans munitions. Alors, du coup, ça l'a un peu vidé son chargeur, mais c'est pas grave. 98%. Ok, on va se mettre en vigilance. On va faire un tour pour tout recharger. Ah, un mort, deux morts. Donc, je crois que nous ne sommes pas seuls. Ouais, on va tout recharger. C'est bon. Tu es de retour. Même lui. On part à l'attaque. Boum, boum et boum. Paré. Ouais, ils sont là, je merci. Crois que nous sommes pas seuls. 3 de tués. Je pense qu'on va avoir un autre groupe d'insectes là. C'est inévitable. Mais déjà, on a bien géré le premier. Ça s'est super bien passé. Bon, tout le monde en vigilance. Toujours pas vu de zombies, c'est plutôt une bonne chose. Ah ouais, là je manque un peu de protection. Bon, je pense que je vais avancer doucement pour lancer le support, je vais pas le lancer tout seul dans une aventure pour tenter un coup à un contournement. Envoyer mon fusil d'assaut peut-être au tour prochain. Ah, j'hésite. Il y a beaucoup de civils par là quand même. On va se diriger là. Ok, vigilance pour tout le monde. J'espère que j'ai mis en fusil. Non. Voilà, là. C'était quoi ce bruit? Toujours trouvé personne. Voir. Décidément, personne non plus ici.
quelque chose là-bas. Ouais, on avance. Ah, décidément, il doit y avoir beaucoup d'aliens là-bas. On les entend beaucoup, on les voit pas beaucoup pour l'instant. Alors, est-ce que je vais choisir d'avancer? Je pense que oui. Toujours en rien. En vigilance avec mon fusil de sniper. Allez, là, faut trouver là. Il y a quelque chose là-bas. Mais ouais. Un bon tir. Il y en a un autre en hauteur. Je sais pas ce qu'il fait. J'ai peur que là on ait un bug. On va attendre un peu. Ah non, c'est bon, c'est réglé. J'ai eu un peu peur que le jeu plante là. Alors s'il y en a un haut, je le vois pas. J'espère qu'il va pas nous tomber dessus un peu à l'impromptu. Il y a une terrasse là, mais je sais pas comment on monte. C'est par le fond là, d'accord. C'est un peu loin. Je vais quand même en envoyer un monté. Voilà. Je vais tourner un peu pour me mettre comme ça. Je pense que si celui du haut bouge, là, il va être bien reçu. En tout cas, j'espère. Que les phases extraterrestres sont extrêmement longues. C'est pas le cas d'habitude. J'espère que le jeu n'est pas en train de bugger. Qu'est-ce qu'il fait ? Ça, ça m'arrive pas souvent, hein, ce genre de soucis. Ouais, bon, ça a l'air d'aller. Voilà, il bouge. C'est plus une menace. Ouais. Non. Raté. Chut. On n'a rien entendu. Bon, je vais arrêter la vidéo pour cet épisode. Et je vous retrouve dans la prochaine.